Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe et comment fonctionne le plugin Repair Shop. Bon, mon anglais n'est pas parfait. Bon, je vais vous montrer. Alors, j'ai mon serveur que je vais lancer. Il est en 1.6.4, mais en 1.7.2, il marche. Voilà, faut juste attendre. Allez, presque fini. Voilà, c'est bon. Donc là, on a notre serveur. Voilà, tout marche. Ensuite, il y aura besoin de Repair Shop. Alors, plugin, on va le coller. Il est téléchargeable sur Bootkit. Il faut prendre la dernière version pour 1.4.6. Ça marche trop bien. On la télécharge. Après, on la met dans le dossier plugin de son serveur. Voilà, il y est, mais il faut redémarrer, donc on va redémarrer le serveur. On va juste voir si l'IP, on va mettre local. Ah oui, il faut aussi un plugin d'économie. J'avais oublié qu'on va prendre économie. Ouais. La dernière version, ça fonctionne avec tout. Alors, on va aller là. Économie. Hop. Défaut balance et ma blague. Voilà, donc si on fait plugin, tout marche. Voilà, c'est une bonne chose aussi. Je vais me connecter. Alors, normalement, si tu installes, donc ça devrait aller vite. Voilà. Tout marche. Et donc, on va aller sur localhost. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Pour pouvoir je vais vous montrer ah oui, j'attends. Ah, faut mettre. Laissez-moi deux secondes. Je vais juste chercher ça.
Renault Hyphen. Voilà, donc on va taper. Ah oui, je suis en créative aussi. On va l'utiliser. Voilà, là il est utilisé. Donc ça va pas marcher. Ok, donc ça ne marche pas. Donc on va... Ah ouais, j'étais en game mode, donc j'ai pas besoin d'item. Bon, c'est pas grave. Alors. Ok, là on va... Un panneau. Repère entre parenthèses carrées, admin shop, je vais juste passer une Minecraft après. Là on met diamant weapon et là on met le prison. Voilà, là ici il met un message. Là, your weapon is repaired. Et quand je fais monnaie, normalement, il me reste... j'avais 30$ au début. Là, si je veux le réparer, là, je sais plus un jeu. Là, je suis en fly. Ah, mais c'est mort. Elle est utilisée, j'ai envie de la réparer. Il va me dire que vous n'avez pas d'argent, assez d'argent. Voilà, donc monnaie c'est 1,20 m. Ah oui. Voilà, et là, si je regarde ma monnaie, j'ai 0. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, voilà, là, ensuite, je vais mettre dans la description de la vidéo le lien de tous les... les items qu'on peut réparer. Et bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et il y a aussi la possibilité de mettre pas forcément un admin shop. Devant je finis. Désolée pour cette pause. Donc voilà, il y a aussi la possibilité de mettre un... de faire un autre... un autre shop de réparation. Par exemple... sauf que celui-là, il sera pas infini. Ça utilise 20. Ah oui, il faut un coffre en dessous. Alors, un coffre. Chest. Un coffre de ça fera. Voilà. Des panneaux. Alors, ensuite, dire X, 1, et on va mettre diable, weapon, et je crois que je me suis trompée, oui, je me suis trompée. Ouais, bah, oh, bah ça marche pas. Donc, et bah... je sais pas, mais en tout cas pour la fonction la plus importante de notre application, c'est ça. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et merci d'avoir regardé. A plus.
Et oui, et je l'ai peut-être déjà dit en début de vidéo, ça fonctionne aussi en 1.7.2 et en 1.6.4. Bon bah salut!